Bonjour à tous, bienvenue, c'est Chris. Alors aujourd'hui, vous le voyez, c'est un Xiaomi et c'est le Mi 6. Alors je sais, je suis après tout le monde, mais sachez une bonne chose, c'est qu'il a été testé donc plus longtemps. Voilà la raison pour laquelle je mets plus de temps à vous mettre la vidéo en ligne. Alors aujourd'hui, donc le Mi 6, c'est une version internationale, donc elle est multilangue avec le Play Store et tous les services Google installé bien entendu. C'est une version donc internationale contenant 6 gigas de RAM et 64 gigas de ROM. Alors tout de suite, je vous le dis, si vous le désirez, vous me contactez. Cette version ici est à vendre, alors n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Et bien écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite par la boîte et son contenu. Alors la boîte, comme d'habitude chez Xiaomi, c'est pas grand chose. Vous avez un chargeur, même si c'est une version internationale, vous êtes sur un chargeur US, câble USB plus USB type C, la documentation en chinois avec l'outil pour ouvrir le tiroir. Vous avez, une fois n'est pas coutume, c'est assez rare tout de même, une coque arrière en silicone souple qui reprend le noir de la coque arrière du téléphone. Enfin la boîte, l'avant, et pas grand chose d'autre hormis ceci, puisque c'est une version internationale, un manuel on ne peut plus succinct, mais avec quelques petites informations en anglais, c'est tout. Alors ce Xiaomi Mi 6, que vaut-il d'après vous? Est-ce que c'est vraiment le haut de gamme tant attendu? Alors il semblerait qu'en termes de finition, puisque certaines vidéos circulent sur des tests de pliage, de rayures et autres, montre qu'il est largement au-dessus du Mi 5, mais qu'est-ce qu'il en est de ce qui est autour? Donc sa double caméra, caméra qui, je vous le rappelle, permet de zoomer et d'avoir une excellente qualité de photo, même en zoomant. Donc pour le CPU, on sait que c'est du Snapdragon 835, donc les performances sont bien présentes, mais qu'est-ce qu'il en est du reste? Alors il y a un GPS. Est-ce qu'il est rapide ou pas? Est-ce que le lecteur d'empreintes est lui aussi rapide? Est-ce que l'écran est bon? Et pour ce faire, il nous faut l'allumer, bien entendu. Alors, vous me direz de ce nouveau plan, j'ai décidé de changer un peu les couleurs, de mettre moins de lumière, moins agressive, sauf quand je vais vous montrer des détails du téléphone. Mais je trouve que l'on voit mieux l'écran lorsqu'il s'agit de parler de téléphone, justement, sans avoir à vous montrer de détails bien précis. En l'occurrence, alors pour ce téléphone, il est donc livré avec la coque arrière, je vous le rappelais, donc coque arrière silicone. Alors c'est un téléphone qui ressemble à la version céramique, qui n'est toujours pas disponible, mais c'est juste du plastique. Alors par contre, c'est un plastique extrêmement bien traité à l'arrière, puisqu'il ne marque aucune empreinte. Et quoi de mieux donc que la lumière pour vous montrer justement tous ces détails qui font qu'il est doté effectivement d'une super belle finition. Alors je vous le rappelle, c'est un smartphone équipé d'une télécommande, vous le voyez ici. Et donc sur le côté droit, vous avez le bouton power et volume plus moins. Et de l'autre côté, bien entendu, vous avez le tiroir à carte SIM ici. Alors tiroir à carte SIM qui s'ouvre très correctement. Voilà, très doucement. Et vous avez deux nano SIM l'une à côté de l'autre, sachant que la nano SIM en 1 se trouve ici en tout premier, juste près du tiroir. Voilà, donc rien de particulier, réception 4G parfaite, vous le voyez, la réception Wi-Fi est juste aussi au maximum, donc tout ceci fonctionne très bien. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire de ce côté là pour ce téléphone. Alors un écran lumineux, une très belle finition, je le répète, et un lecteur d'empreintes qui fonctionne très rapidement. Voilà, vous pouvez loquer autant de fois que vous voulez, la lecture se fait toujours aussi rapidement.
à la vitesse de l'éclair et c'est toujours un sans faute côté lecture d'empreinte. Donc, et je le rappelle, ce téléphone MI6 en version internationale est livré avec tous les services Google installés, en tout cas la majorité, puisque vous avez ça d'origine d'installer sur ce MI6. Ensuite, bien écoutez, pas grand chose de particulier. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder les résultats des benches sur ce Xiaomi MI6. Alors, on y va. Et donc, tout de suite, AnTuTu. Et AnTuTu Snapdragon 835, un résultat de 179 000 points. On est vraiment très très haut. Voyez plutôt le classement, puisque nous sommes en deuxième position ici, en dessous donc de l'iPhone 7 Plus et au-dessus de l'iPhone 7. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a un MI6 ici à 170 000. Moi, le mien, 179 000, hein, très clairement. Donc le OnePlus 3T est à 161 000 avec le Snapdragon 821. Je le rappelle aussi de ce côté-là. Donc on a gagné 18 000 points entre le Snapdragon 821 et le Snapdragon 835. Alors, en termes d'infos, donc vous êtes bien en présence d'un Xiaomi MI6. Il est sous Android 7.1.1. Donc, modèle du CPU, c'est un 8 cœurs, le Snapdragon 835. Il est équipé du GPU 540. Nous sommes en Full HD. La caméra arrière est une double 12.2 mégapixels. En termes de stockage, donc vous avez bien les 6 Go de RAM. En termes de ROM, il est livré avec 64, il vous en reste 51-62 à l'ouverture de la boîte. Ensuite, les fréquences pour ce CPU vont de 300 Hz à 2450 MHz, donc à 2.4 GHz. Le GPU Adreno 540, toujours de chez Qualcomm, vous le savez, avec une densité de pixels de 480 puisque nous sommes en Full HD en 5,2 pouces. Caméra arrière de 12.2, caméra en façade de 8.3, niveau de batterie on est à 100, donc vous allez pouvoir par vous-même lors des tests et on finira avec un certain pourcentage, donc on vérifiera ça ensemble, à savoir si la batterie tient bien ou pas. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, il supporte le NFC et très clairement, il a tout. Vous pouvez regarder, sauf la fréquence cardiaque et l'humidité relative autour du téléphone. Donc l'humidité et la fréquence cardiaque ne sont pas pris en charge sur ce téléphone. Tout le reste est compris dans le prix. Voilà. Alors ensuite, on va regarder l'écran. Alors vous vous en doutez, hein, je pense que vous connaissez Xiaomi maintenant, c'est un sans faute. Bon, certes, au niveau du prix, c'est un peu normal parce que par défaut, il est à 470 euros ce modèle avec 64 Go de ROM. 470 euros, il est actuellement à 440 environ en vente flash sur la boutique Gearbest. Alors, ce modèle, pour information, on ne me l'a pas fourni. J'ai préféré l'acheter. Alors certes, c'est pas donné, mais j'ai préféré l'acheter pour me sentir vraiment, vraiment indépendant et dire ce que je pense de ce modèle et vous dire la vérité, s'il y a une vérité à dire. Donc on verra ça après, un peu plus tard. Donc un noir très profond. Vous le voyez ici, aucune tache. Hein, vraiment, c'est un sans faute. Alors les rouges, là, c'est... On sort des précédents tests où vous aviez des couleurs un peu fades, hein, un peu palottes, comme je dis. Là, c'est tout le contraire. Là, ça pète aux yeux et c'est un rouge vraiment très, très vif. Le vert, il est vraiment vert aussi. Voilà. C'est de cette façon que vous le verrez le mieux. Donc, des couleurs vraiment très flash. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est... tout le contraire, vraiment tout le contraire de ce que j'ai pu tester récemment, mais c'était pas du tout le même prix. Hein. Là, on est à 4 fois le prix des précédents téléphones testés. Donc, bon,
Alors, moi, j'aimais un petit bémol par rapport à l'écran, c'est que la bordure, il y a encore une bordure noire. Bon, on n'est pas sur du edge, bien entendu, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de un peu plus fin sur les côtés. Bon, c'est pas le cas, c'est pas non plus la mort, hein, comme on dit, mais voilà, je m'attendais à une petite bordure un peu plus fine encore. Bon, il faudra avoir le Minote, hein, pour avoir aucune bordure. Alors, on va attaquer donc les pixels, blop, blop, blop. Les niveaux de gris. Alors vous le voyez, les noirs au fond, on les voit très peu finalement, je trouve. En fait, on voit l'avant-dernière, mais pas la dernière. Donc, et la toute première est très très peu visible aussi. Donc, c'est, je trouve parfaitement calibré entre les deux bordures les plus extrêmes. Voilà. Alors les couleurs, hein, je vous le disais, c'est pétant, ça flash. Il n'y a aucun souci de colorimétrie, tout est parfaitement rendu, on fait la distinction entre toutes les bandes de couleurs et entre tous les niveaux. Voilà. Et la mire de l'ORTF, vous le voyez encore une fois de plus. Voilà, là on la voit très 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 clairement. C'est très très vif au niveau des couleurs. Voilà pour le screen test, le multitouch, vous vous doutez du résultat, 10 points, rien à dire. Epic Citadel et le GPS, on va regarder ça ensemble aussi avec Geekbench, tout de suite en copie d'écran. Tout de suite, résultat d'Epic Citadel, on est à 60 frames.2 par seconde avec une résolution Full HD. Alors certes, l'écran fait que 5,2 pouces, mais l'Adreno 540 de chez Qualcomm fait des merveilles pour tout ce qui est vidéo, et vous le savez déjà. Donc, c'est un résultat sans surprise. Nous sommes sur Geekbench. Alors, Geekbench version 4, nous sommes un single core de près de 2000, et en multicore, il explose tout, puisqu'il est à 6700. C'est vraiment, voilà, c'est un résultat énorme, juste sans faute, et c'est un processeur qui fonctionne vraiment parfaitement. Pour le côté graphique, là encore, un score très très haut, puisque vous êtes à 7900 points, c'est juste dans les sphères les plus hautes des résultats des smartphones actuels. Alors le GPS, comment dire, alors on a un nombre de satellites fixés, on en voit 14, on en fixe 13. Deuxième lancement, on en fixe 17 des satellites, 18 visibles, mais à chaque fois en fait le first time fixe est à zéro. Alors soit il était ultra rapide, ce qui m'a pas semblé être le cas, et pour voir ça en vrai, j'ai été sur la route et j'ai utilisé beaucoup plus de temps que les autres. Et bah écoutez, j'ai mis un petit bémol sur le GPS, j'ai été un petit peu déçu, c'est que lorsque vous le lancez, il vous faut attendre quelques minutes avant qu'il se fixe vraiment là où vous trouvez. C'est-à-dire que vous commencez à rouler, tant qu'il n'est pas fixé, il fait n'importe quoi ce GPS, il ne suit pas la route du tout, il est je ne sais où d'ailleurs, il est ailleurs que là où vous vous trouvez. Mais par contre, dès qu'il a fixé effectivement les satellites, c'est un sans faute et il suit toujours, toujours correctement la route. Mais il y a un temps pour fixer les satellites qu'il faut et vous guider correctement dès le départ. Voilà. J'aimais juste un petit bémol, donc côté GPS, sur ce point qui est la rapidité pour fixer les satellites et faire cette première triangulation. Voilà, c'est tout. Alors, on en a fini avec donc tous les tests. Donc, vous le voyez que c'est un sans faute, un téléphone ultra rapide, très performant, avec un écran excellent, très très belle couleur. C'est réellement un sans faute côté matériel, sauf le GPS que je trouve un petit peu lent à chaque démarrage. Une fois que c'est fixé, c'est très rapide, mais moi personnellement, je le trouve lent au démarrage, à chaque lancement, premier lancement en tous les cas. Eh bien, je vous propose tout de suite d'attaquer la partie donc multimédia. La partie multimédia qui commence avec les photos et la vidéo réalisée avec ce Xiaomi Mi 6.
Alors, des photos, vous en avez vu, hein, j'en ai fait un bon paquet, effectivement, vous voyez que ça fait un moment que je l'utilise. Hein. Donc, écoutez, c'est vraiment un sans faute pour la photo, que ce soit de jour, de nuit, en contre-jour, en faible luminosité. Vous pouvez ajouter ce qu'ils appellent le mode tilt, qui fait un effet un peu bokeh. L'exemple type, c'est cette photo, voilà. Vous voyez que la qualité de la couleur, la qualité de la photo avec tout ce flou autour, et on met en avant vraiment les bulles du matinal sur la fleur, donc la petite brume matinale hein, qui était encore sur la fleur avant la grande chaleur. Il fait vraiment des photos magnifiques. Ça, c'est un sans faute pour la partie photo. Les couleurs, tout est parfaitement rendu. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est ça, plan large, ici, zoom sur le salon qui est ici, donc, voilà, et vous voyez que la qualité de la photo est là, c'est très très qualitatif du point de vue zoom, et c'est un sans faute. Xiaomi a voulu faire comme l'iPhone 7 Plus, donc avoir une partie zoom pour la deuxième caméra, donc améliorer les zooms que vous pouvez faire, et effectivement c'est un sans faute parce que tout reste propre sans piquer, c'est juste une photo parfaite. Voilà, j'ai fait exactement la même chose sur la fleur qui est ici. Celle-ci a été zoomée x10, donc de la même façon, extrême qualité pour le rendu des couleurs. Le feuillage, tout ce qui est autour, la pierre, tout est parfait, tout est propre, donc il n'y a vraiment rien à redire. Alors, l'ayant gardé longtemps, j'ai fait pas mal de shoots, donc cela par exemple ici, vous verrez, je vais faire un comparatif entre les deux monstres, on va dire, sacrés en provenance de Chine, hein, les deux monstres de l'Empire du Milieu qui sont le OnePlus 3T et ce Xiaomi Mi 6. Je vous montrerai moi ce que j'ai fait, et la qualité entre les deux, et je ferai un petit comparatif en termes de performance, matériel pur et photo surtout, puisque ce sont quand même les deux monstres actuels made in China que sont donc ce Xiaomi Mi 6 et le OnePlus 3T. On verra ça dans une autre vidéo un petit peu plus tard. Donc côté photo, il n'y a rien à redire. Côté vidéo de jour, vous l'avez vu avec cette mouette, c'est juste parfait. Et par contre, la nuit, écoutez, j'ai été un petit peu déçu par la vidéo la nuit. Voilà, je l'ai trouvée un petit peu lente au niveau du réglage par rapport à la luminosité ambiante, réglage de la balance des blancs et réglage de la netteté. Photo, il y a zéro défaut, hein, zéro souci, mais c'est vraiment, vraiment côté vidéo en faible, très faible luminosité. Faible luminosité, ça va, ça passe, c'est plutôt pas mal. Mais alors, très faible luminosité, c'est moyen, j'ai trouvé. C'est un peu dommage. Bon, alors je ne m'étais pas mis en mode nuit, attention, hein, je le précise, j'étais juste en mode classique. Voilà pour la partie photo, vidéo, et certaines photos seront en comparatif avec donc le OnePlus 3T, je le rappelle. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On va attaquer maintenant la partie vidéo et son. Alors, partie vidéo et son, maintenant, je vous le rappelle, tout se passe sur YouTube. On fait au plus simple. Ça évite
les requêtes d'utilisation de copyright. Hein. Alors, je vais mettre le son au minimum et je vais lancer les animaux parce que les animaux sur cette partie-là, c'est juste parfait. Voilà, on attaque tout de suite avec les petites bêtes. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment des couleurs, mais alors, vives. Elles sont vraiment, elles flashent, mais c'est pas agressif. Très sincèrement, ce n'est pas du tout agressif. Un écran vraiment d'une très très belle qualité. Alors, c'est vrai, on n'est que sur du 5,2 pouces en Full HD, donc ça aide énormément. Mais moi, je mets en avant vraiment les couleurs sur ce modèle. Et surtout, là, vous le voyez, hein, la toile d'araignée, par exemple, le niveau de détail qui est juste incroyable. Bien sûr, Full HD, 5,2 pouces. Je me répète, mais tout est là, en fait, hein, finalement. Donc, plus l'écran est petit et plus la définition est haute, plus, bien sûr, ben, la définition des détails est très, très élevée. On voit tous les détails très lumineux, à la fois très belle couleur. C'est vraiment un sans faute côté écran, intégration et réglage de la colorimétrie pour cet écran. Voilà. Alors, on va continuer avec donc le son, je vous le rappelle. Maintenant, dorénavant, nous allons sur NCS. C'est gratuit, c'est no copyright et cela évite les soucis avec nos amis de YouTube. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre autre chose hein, par rapport à d'habitude. Allez, on va mettre ça. Et on monte le son, hein, bien entendu. Vous l'avez entendu par vous-même, un sans faute parce qu'il y a des vrais médiums bas, ça pousse derrière lorsque vous mettez le doigt devant la grille, ça ne vibre pas derrière, ça ne vibre nulle part, le son est juste là, pulsé, et c'est vraiment un son très très bon, sur lequel en fait vous avez une puissance sonore quand même bien présente, sans saturation, ça ne vibre pas, donc c'est un sans faute côté son pour ce MI6. De chez Xiaomi. Et donc, eh bien, écoutez, on en a fini avec la partie multimédia, son, vidéo, photo, tout. Voilà, on a tout fait. Donc, il nous reste à voir le jeu vidéo. Alors, j'ai joué hein, déjà pas mal avec. Donc, je peux vous dire que, bon, bref, hein, c'est un sans faute aussi de ce côté-là. Mais je le répète, c'est un Adreno 540. Vous voyez que tout est fluide, hein. C'est vraiment les effets de lumière, des reflets, tout y est. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on peut prendre autre chose? Non, c'est toujours la petite Sonic. Hop, on y va.
peu trop près des rails quand même, hein, bonhomme. Vous voyez que tous les effets de lumière sont bien présents, hein, les reflets lumineux, les effets de soleil sont parfaitement rendus, le niveau de détail des matières est juste excellent aussi. Les effets de fumée des dérapages, lorsque les pneus vont s'user un petit peu. Voilà, donc tout est bien présent, c'est juste un travail excellent réalisé par l'Adreno, donc 540 sur ce Xiaomi Mi 6. Alors voilà, moi j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait. Plus tard arrivera un petit comparatif photo-vidéo avec le OnePlus 3T. J'espère tout ça déjà vous a plu. Et vous a suffi en tout cas pour vous faire un avis sur ce Xiaomi Mi 6, et donc on va attaquer par nos conclusions, les pour les contre et sa note finale, donc tout de suite avec ce Xiaomi Mi 6. Alors ce Xiaomi Mi 6, les pour les contre, la note finale. Alors ça va être difficile de dire des pour des contre, parce que en pour moi je mets tout, finalement tout. J'ai oublié un petit point supplémentaire par rapport à ce modèle, c'est la taille de sa batterie, sa capacité, 3350 mAh. Donc si vous êtes un gros gamer comme moi, bien entendu, il vous faudra le recharger au cours de la journée, ça c'est une évidence. Mais si vous n'êtes pas un gros gamer, que vous coupez même la réception 4G pour de la donnée mobile ou ce genre de choses, que vous jouez un peu avec l'autonomie, facilement, deux jours, sans problème. Ça, c'est un sans faute de ce côté-là aussi. Donc, il a tout. Il a tout. Pourquoi ? Parce que 6Go de RAM, 64Go de ROM, vous avez de quoi stocker, vous avez de quoi mettre des applications, les charger en mémoire, ça répond au doigt et à l'œil, quasiment à l'œil, mais en tout cas, il répond toujours très rapidement. C'est vraiment un téléphone qui est un sans faute. Je le rappelle aussi, vous avez vu son signal Wi-Fi, ça dépote. On va dire qu'il a tout ce qu'on attend d'un téléphone moderne et haut de gamme. Donc, des débits parfaits, des photos parfaites. Moi, j'aimais juste aussi un petit bémol, et je sais que d'autres ne l'ont pas fait. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais moi je trouve que la vidéo de nuit, il y a un petit souci sur la vidéo de nuit. Je pense qu'une mise à jour lui ferait du bien. Voilà. Et donc, pour les contres, j'ai mis son GPS un petit peu lent au démarrage, hein, toujours. Et bon, son prix, on est à 500 €. 500 €, c'est quand même quasiment moitié moins qu'un Galaxy S8. Et là, vous avez quand même quelque chose de très haut de gamme, hein, très clairement, c'est un smartphone haut de gamme. Donc, qui dit haut de gamme, dit prix en conséquence. Donc, vous avez un processeur puissant, de la RAM, de la ROM, vous avez de la photo très haut niveau, un écran d'excellent niveau aussi. Donc, lorsqu'on fait quelque chose d'excellent niveau, il faut que le prix suive, bien sûr, parce que sinon, après, on marche à perte et ça n'a pas de sens. Donc, ça, pour ça, c'est quelque part entre le pour et le contre, hein, le prix. Donc, moi, je sais, c'est difficile de dire quelque chose par rapport au prix. Il vaut son prix, voilà, c'est clair. Ensuite, tout est bon. C'est dur de dire quelque chose, c'est que tout est bon. Le scanner d'empreintes est rapide. La caméra selfie est très bonne aussi, tout est très bon, le son est très bon, le son en Bluetooth connecté sur la voiture donc est juste parfait, les gens entendent et moi je les entends correctement aussi, donc c'est un sans faute. Et difficile de lui mettre une note parce que on est, je dirais qu'on est autour des 9,5, 9,70, hein. Comme ça à vue d'œil, je n'ai pas fait de note. Pourquoi ? Parce que c'est un sans faute pour ma part, hormis deux petits points, lenteur du GPS au démarrage et la vidéo en très faible luminosité. Voilà, c'est les deux points sur lesquels j'émets deux petits bémols. Pour le reste, c'est un sans faute parfait. Alors, je le rappelle, hein, ce téléphone ne m'a pas été fourni par quelques boutiques que ce soit. Je l'ai acheté et je l'ai acheté non pas avec un code promo, je l'ai acheté avec
une petite réduc, toute petite, et donc bah, il est à vendre. Alors, au plus rapide, et je communiquerai le prix par mail. Alors écoutez, si ce modèle vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me contacter. J'en ai fini donc avec ce Xiaomi Mi 6, un smartphone qui dépote, mais un écran, personnellement, c'est pour ça que je ne le garde pas, trop petit pour moi, 5,2 pouces, c'est trop petit pour moi. Je sais que beaucoup se satisfont en fait d'un écran de cette taille. Pour ma part, c'est un peu trop petit, j'aime un petit peu au-dessus, voilà. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus qui vont bien, à mettre les commentaires qui vont bien aussi pour moi, le travail ou le téléphone. Bref, en tout cas, je remercie les abonnés actuels, je remercie les prochains, ceux qui vont s'inscrire là bientôt. Merci à tous, merci de me suivre et d'autres nouveautés vont arriver par la suite. Alors, sur ce les amis, je vous dis bye bye, ciao. Et à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner.